vous allez venir ce soir, on va faire, vous allez voir, ce soir vous allez avoir 7 humoristes qui vont passer. Très talentueux, oui, 7, je compte bien. Oui, 7 humoristes qui vont passer ce soir, tous très talentueux, avec une petite surprise. Alors quand c'est drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Et quand c'est pas drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. On rigole pour le déplacement, ok? C'est très important, très important. On dit que les sont méchants, mais en réalité, ils sont pas si méchants que ça. Alors, rapidement, je vous fais un petit conditionnement très vite. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de France, il y a un roi qui s'appelle Louis XVI, il a augmenté le prix de la baguette, il s'est fait couper la tête, monsieur. Eh, ça veut dire que les Français de l'époque, c'était des malades. Eh, ils sont allés menacer jusqu'à devant chez lui, au château de Versailles. Eux, ils habitaient à Paris, à l'époque, Paris-Versailles. Pas de transport en commun. 4 jours de marche. Ce qui veut dire qu'en 4 jours, ils ont eu le temps de se choper la tête sur la route, et on arrive là-bas, on va longtemps aller. La tête de ma mère, on va voir. Je vois la boulangerie, je demande une baguette, elle me dit combien, 8 écus. Moi, je vais payer une baguette, 8 écus. Eh, hey, tu es con, ne me tiens pas, je vais te mettre en l'air, dis ma mère. Ils sont arrivés devant le château de Versailles, vénère. Eh, hey, oui, eh, hey, ça. Le roi, il a vu ça par la tête, il a vu par la tête. Mais enfin, quelle est cette horde de gueule? Marie-Antoinette, remets donc ta culotte, s'il te plaît. À l'époque, ils étaient passés comme ça. Et vu que les couloirs, ils étaient longs, bon, ça durait longtemps. Bonsoir, ça va? Avant de commencer, je veux que je vous dise un truc. Je suis vraiment, sincèrement, trop content d'être là avec vous. Déjà parce que vous êtes là, mais aussi parce que c'est passé un truc tellement bizarre pour moi il y a une semaine que j'ai trop et trop envie de raconter. Alors, je suis dans la rue, mais tranquille, je veux me lever comme ça. Et là, il y a un gars, il me regarde et il me dit ah, lesbienne. Alors, déjà, je me suis dit waouh, quel sens de l'observation. Puis je me suis dit, non, il est pas mon choix. Non. Cet homme, juste, il a un toc. Et que son toc, il veut dire tout ce qu'il voit. Tu sais, par exemple, s'il voit un trottoir, trottoir. Un métro, métro. Un miroir, bâtard. Tu vois, on sait pas, mais si, je veux quoi. Merci. Je suis très très heureux d'être là pour une seule raison, c'est que j'ai toujours voulu faire de la scène, j'ai toujours voulu être humoriste. Et j'ai juste un souvenir, c'est la première fois que je l'ai dit à mon père, tu sais. Ton travail, c'est de rouler. Toi, tu veux faire ton travail de rigoler. Oui, mais oui, vas-y, vas-y. Un chat, viens dire au revoir à ton fils. Non, parce que mon père, il voulait qu'on fasse des études. Mon père, c'est mon modèle. Il voulait vraiment qu'on fasse des études, il voulait qu'on s'en sorte. Il disait qu'il fallait être un bon élève, mais surtout, il a bugué sur les fréquentations. Je vous jure, il était à fond. Hassan, on a un de Carlo. Elle fait trôner avec les gens bien. Les gens qui veulent réussir. Les gens de bonne famille. Voilà, c'est ça. Voilà, il est riche, c'est toi. J'avais pas le droit de traîner avec des Arabes ou des Noirs, je sais pas, j'avais pas le droit. Mais papa, mon meilleur ami s'appelle Mohamed, il est génial. Mais quel Mohamed? Un Arabe avec un Arabe, tu veux pas t'en sortir dans la vie, hein? Comme si c'est pas déjà assez dur comme ça, vous allez faire quoi, tous les deux? Vous allez traîner, hein? Va avec l'autre, Louis, comment il s'appelle que lui? Pierre-Emmanuel, lui, il est bien. Vous avez vu en sur YouTube, le point de vue sur lequel j'ai tombé, c'est enquête d'action, quoi. J'ai eu un petit peu mal. Allez, ce soir, ça fait plaisir, on est là ensemble, le but, ça va être de rire, ok? On a tous en nous deux styles de rire. On a tous en nous un rire socialement acceptable qu'on a sorti pendant toute la semaine au boulot. Ah, vous avez bien. On a tous en nous un rire dégueulasse. Un rire de bâtard, ok? Et ce soir, je veux qu'on sorte tous notre rire dégueulasse, d'accord? Il y a un rire dégueulasse que j'adore, qui est un rire très féminin, qui s'appelle le rire reniflé. Je ne sais pas si certains le nom.
C'est terminé en deux étapes, première étape qui se passe du visage. Et tout à coup, lorsqu'on s'y attend pas, tapis dans l'ombre. Ah, tu l'as, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'une femme qui rit à moitié dans ton lit, elle fait ses moitiés du lit. Non, je ne peux plus la faire avec toi. Sorry. C'est un hommage à mon grand-père. Il était fan de Ray Charles. Ah, Ray Charles, quelle actrice! Une fois, un journaliste lui a demandé est-ce que c'est difficile d'être aveugle? Et Ray Charles a répondu ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Ah! Et tu sais, moi, je suis né en Afrique, en République démocratique du Congo, RDC. À ne pas confondre avec rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il fait très chaud, les boissons sont très sucrées. Une fois, j'ai bu du Fanta. Le lendemain, j'ai pissé du miel. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, et ce qui m'a le plus frappé, à part mon père et ma mère, c'était la langue. Bonsoir, alors je me présente, je m'appelle Déborah Bellamy. Alors, j'habite Paris, mais à l'origine, je viens du Nord. Alors, je précise toujours que je viens du Nord, parce que quand je commence à parler normalement, et d'un coup, j'en finis comme chou. Souvent, on croit que je suis en train de faire l'ABC. Il y a un petit souci avec les gens du Nord, hein? On se fout de notre gueule. Ça fait 7 ans que je suis à Paris. Ça fait 7 ans que j'entends « Ouh, les ch'tis, vous enterrez des bébés dans le jardin. » Ça fait du très bon compost. L'autre fois, j'avais vu La Fureur du Baba avec Bruce Lee. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un film d'arts martiaux. Et quand j'ai vu ce film, j'étais chez moi à la télé. Le film a fini, j'ai éteint la télé. J'ai cru que c'était moi qui avais fait 10 ans d'arts martiaux. Et j'étais chaud. Je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé à me chauffer tout seul. Vomi parfois. Je faisais même les bruitages. J'étais là. Et à un moment donné, je sens que le mec et la porte s'ouvre. Parce que 10 ans d'art martiaux, tu sens ces choses-là, tu vois. Et là, je me retourne. Ouh ! Qu'est-ce qui rentre ? Ma première victime, mon petit frère. Elle, mais ce que je l'ai attrapé. Vas-y, pleure, pleure. Dis quoi, pleure. Porte ma chambre, par contre. Ferme la porte! N'oublie pas une chose, c'est que la porte est parfois plus dangereuse que le tigre. On n'a pas éclaté la première victime! Et à un moment donné, je sens du coup de l'œil que la porte a sauté une deuxième fois. Parce que 10 ans d'avoir chance, tu sens cette chose-là, c'est deux fois, tu vois. Et là, je me retrouve, je lui dis: hé, qu'est-ce que t'as pas compris? Et en fait, j'avais oublié que sa mère, c'était ma mère. Et là, j'ai eu un trou noir. Je me rappelle de plus rien, je me suis réveillé le lendemain matin, je suis en 123, on peut aller voir un réunion devant Guy. Et là, je suis en train de dire. Je vais passer une bonne soirée, les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette soirée. On va présenter les humoristes un par un pour les remercier parce qu'ils viennent de toute la France et même en Suisse. On va appeler Maël, s'il vous plaît. Alors, allez. C'est bon, attention! C'est bon, c'est bon! Voici la contacte! On va Jésus! Thank you.
Et Yannick, ses encouragements pour pouvoir continuer.